Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va tout simplement tester le micro Bluetooth Sony qui se fixe sur mon caméscope. J'ai nommé le HW2. Le Sony HW2, c'est un micro Bluetooth que vous allez venir fixer sur votre caméra Sony compatible, sur la griffe flash. Le Sony, donc, en Bluetooth, va vous permettre d'avoir une portée égale, voire supérieure, c'est le cas actuellement, à 100 mètres. C'est-à-dire que la personne que vous filmez va pouvoir se placer à plus de 100 mètres de la caméra et vous allez pouvoir avoir un son, comme vous le voyez en ce moment, comme vous l'entendez plutôt en ce moment, qui va être très net, très agréable. Le petit micro est fourni également avec une bonnette. Si jamais il y a beaucoup de vent, je peux mettre ma bonnette dessus. Vous allez également pouvoir brancher un petit casque sur le côté qui va permettre d'entendre tout simplement ce que dit la personne qui a la caméra. Quand vous êtes à plus de 100 mètres, vous n'entendez pas nécessairement tout ce qui se dit de l'autre côté. Il y a également un petit grip qui va vous permettre de venir clipser ce micro sur votre t-shirt, votre manche ou votre jean si jamais vous le désirez. Et ce petit micro dispose également d'un autre récepteur, d'une autre prise de jack sur la caméra afin que la personne entende en temps réel ce qui se passe sur votre petit micro. Vous allez avoir la possibilité d'enregistrer du son en mono, ce qui va se passer sur le petit micro, de faire un mix entre le micro et la caméra. Ainsi, vous allez pouvoir capter ce qui se passe devant la caméra et ce qui se passe derrière avec la personne que vous êtes en train de filmer. Et faire un mix en 5.1, c'est-à-dire que vous allez avoir le micro de l'interlocuteur avec ce petit micro Bluetooth et l'ambiance en 5.1 filmée par votre caméra. Ça, c'est quand même sympa et ça vous permet de faire des vidéos qui sont très très cool. L'avantage, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, c'est qu'avec ce micro, vous pouvez passer à travers du verre. C'est du triple vitrage, par exemple chez moi, à travers des murs, à travers des bâtiments, si jamais les murs ne sont pas en béton blindé, etc. Si les ondes tout simplement de Bluetooth peuvent se propager à travers, il n'y a strictement aucun souci. Vous pouvez placer le micro discrètement dans une chambre, etc. et enregistrer la vidéo depuis l'extérieur. Moi, je vous donne des idées, après vous en faites ce que vous voulez. On est donc repassé sur le micro d'ambiance de la caméra en 5.1. Normalement, vous entendez les voitures, les oiseaux qui chantent, tout ce qui se passe à côté et très peu ma voix par rapport au micro normal. Voici donc le petit boîtier qui est fixé sur la caméra. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit truc tout simple, etc. Vous avez devant, ici, c'est le petit voyant qui va vous dire qu'il est associé avec le petit micro Bluetooth qui est là. Si j'arrive à enlever la petite bonnette, clac. Vous avez le même ici qui clignote parce qu'il n'arrive pas à faire l'association. Vous allez donc avoir les sons plus, moins, etc. ici pour pouvoir changer le volume du micro, de la sortie audio, pardon. Sur le côté, ici, vous avez donc la possibilité de l'éteindre tout simplement, de le mettre en single, c'est-à-dire qu'il va n'enregistrer que ce qui se passe sur le petit micro ici. Vous avez la possibilité de le mettre en mix mono. En mix mono, il va donc enregistrer le son mono sur votre caméra et le son mono du micro, puisque lui, il est en mono de toute façon. Et mix 5.1, il va enregistrer l'ambiance sur la caméra et le son en mono du petit micro. Ça vient tout simplement se fixer sur votre griffe de flash intelligente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble reliant votre griffe de flash, votre kit Bluetooth au caméscope. Tout se passe par la griffe flash. Et voilà, c'était le test du micro Sony HW2 qui vient se fixer sur votre petite griffe flash des caméscopes Sony, micro Bluetooth qui vous permet de filmer dans différents environnements assez délicats. Il nous servira beaucoup durant les expériences, tout simplement, que ce soit sur un vélo, sur une falaise, dans de l'alpinisme, de la rando ou ce que vous voulez. Normalement, cette vidéo est repassée sous Vimeo parce que Dailymotion met de la pub dans tous les sens et que j'avais oublié ce petit détail. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et voilà, c'était Locan pour Locan.fr. On a fini le test du HW2 avec une fixation assez insolite de ce micro. Je vous lâche là-dessus. Moi, j'ai l'œil gauche qui est en train de pleurer parce que la narine, elle me défonce. Ciao, ciao!